We love the water in the background better. Bon, Rudy, déjà, dites-nous comment ça va au départ de ce Tour de la Provence, dans une atmosphère un peu particulière quand même, avec toutes les équipes qui changent tout le temps. Comment ça va pour vous? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements déjà dès ce début de saison, mais bon, c'était à prévoir avec la situation actuelle avec le Covid. Voilà, après, moi, ça change pas forcément mes plans. J'étais prévu ici. J'apprécie cette course, donc voilà, normalement tout est bon pour faire un beau début de saison. Et quel est le plan aujourd'hui? Il y a déjà le vent, on s'attend un peu à l'enfer, c'est ça? Ouais, là il y a plutôt pas mal de vent, 40 km/h. On ne sait pas trop à quoi s'attendre parce que normalement Ineos est censé contrôler, mais voilà, peut-être que ça va donner des idées à d'autres équipes. Et vous, personnellement, comment est la forme en ce début de saison? Oh, moi, ça va bien. J'ai commencé tranquillement à Majorque où j'ai été au service de l'équipe pour le sprint. Mais voilà, aujourd'hui, c'est mon tour et je me sens bien. Je suis content de pouvoir espérer sprinter au moins aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule étape sur ce Tour de Provence, alors il ne va pas falloir se louper. On va essayer de prendre la route quelqu'un d'autre, comme Elia Viviani ou Arnaud Demar, ou vous comptez sur votre propre train? On verra déjà qui sera à l'arrivée parce que j'ai du mal à croire à vraiment un sprint massif. Donc on fera les comptes lors du circuit final. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des mecs qui vont très vite avec des grosses équipes. Mais on a aussi une grosse équipe et on compte prendre les choses en main dans le final. Merci beaucoup. Bonne chance. Bonne course.